عن المباراة القادمة أو المنتظرة غدا أمام منتخب بوركينا فاسو لحساب الجولة الثانية من دور مجموعة كأس أمم إفريقيا. ندوة صحفية سيتحدث خلالها الناخب الوطني حول المباراة، حول الخضر، حول التشكيلة التي من الممكن أن يعتمد عليها. إذن ننتقل مباشرة إلى الندوة الصحفية هناك بملعب السلام بمدينة بواكي أين يتواجد المنتخب الوطني، والندوة الصحفية للناخب الوطني جمال بالماضي رفقة لاعب مينواسي إسماعيل بن ناصر الذي ناب هذه المرة عن القائد رياض محرز، وسيكون نشط الندوة الصحفية رفقة الناخب الوطني جمال بالماضي للحديث عن المباراة الثانية للخضر غدا أمام منتخب بوركينا فاسو والتي ستقام بملعب السلام ببواكي في حدود الساعة 3 بتوقيت الجزائر، 2 بتوقيت كوت ديفوار، وهو الأمر الذي يشكل صعوبة كبيرة على المنتخبين. نستمع للندوة الصحفية للناخب الوطني جمال بالماضي. Effectivement, c'était on l'avait dit que démarrer un tournoi la meilleure des manières c'était de prendre les 3 points qui étaient 3 points, chose qui n'a pas été faite. Donc on est sur ce deuxième match et ben l'idée ce sera de le même objectif, de gagner. Ça change pas chez nous, on a toujours cet objectif de prendre le maximum de points à chaque match. Donc on va s'y atteler inchallah. Super. Pour Ismaël, bienvenue. Quel est aujourd'hui l'état d'esprit de votre groupe après ce premier match contre l'Angola et avant d'aborder, on va dire, ce que les médias peuvent considérer un peu comme la finale de ce groupe face au Burkina Faso? Avec le groupe, c'est à moi et comme à tout le monde, bonjour à tous. Avec le groupe, on reste très très concentré. C'est vrai qu'on était... On était déçus du résultat parce qu'on travaille beaucoup, on travaille énormément. Et maintenant, on est concentré sur le prochain match qui, comme tous les matchs, va être très important. Et on va essayer de faire mieux, faire beaucoup mieux sur ce qu'on a fait de moins bien le premier match et d'accentuer les bonnes choses, essayer de faire de meilleures choses encore. Et ce sera un match pas simple comme tous les matchs. Mais on va tout faire pour essayer de gagner le match, inch'Allah. Mamour Djibour, Radio Algérienne. Coach, j'ai un message pour vous d'un ancien international, Djamet Lemsani, qui dit vous apporter tout votre soutien. Voilà, une fois ça dit, on va revenir au match. Coach, sur le premier match, on a vu que nos attaques, notamment, ont penché sur le côté gauche avec 59% d'attaques sur le côté gauche, 38% plein axe, 9% sur le côté droit. La question, c'est est-ce que c'est le jeu ou les conditions de jeu qui ont amené l'équipe à faire en sorte que le jeu balance à gauche? Ou bien vous dites non, sur le côté droit, les Angolais nous ont complètement bloqués. Et donc, dans la perspective de ce match, est-ce que vous allez apporter des changements? Et la question à Ismaël Ben Nasser, vous allez jouer à 14h, où il fait chaud, peut-être avec un taux d'humidité élevé. Est-ce que cela amène le joueur à changer de comportement dans la gestion de l'effort? Merci. C'est vrai qu'il va faire très très chaud, mais non, on va tout donner. On va tout donner, il y aura des changements. Si on est fatigué, il y aura des changements. Les gens qui commencent, ils doivent tout donner. Les gens qui ne commencent pas, ils doivent être prêts pour remplacer certains joueurs. Et on va tout donner, que ce soit à 14h, à 18h, à 20h, on a la même détermination. Pour ce qui est de l'équilibre de notre jeu, notamment des animations offensives, on avait pour habitude d'avoir une vraie... justement un vrai équilibre entre les différents côtés. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est dicté préalable d'un match. C'est juste que parfois, il y a peut-être chez l'adversaire un côté un peu plus fort ou un côté un peu plus faible.
Il y a aussi, on a pu voir une animation qui se fait bien entre par exemple Ismaël, Ryan et Youssef. Donc c'est des choses qu'on a pu déjà voir en entraînement et sur lesquelles on a, sur lesquels on est satisfait, dans le sens où c'est important de créer des automatismes. Ensuite, si on a moins vu à droite, c'est aussi peut-être parce que peut-être aussi qu'on a beaucoup insisté sur ce côté gauche qui a été assez prolifique, on va dire. On aurait pu être encore plus, il aurait pu encore avoir plus de résultats, parce qu'il y a eu beaucoup de situations venant de ce côté qui ont fini dans la surface de réparation. On aurait pu être encore plus précis dans le dernier geste et faire le break dans cette, surtout cette première mi-temps. Ensuite, peut-être il y a plusieurs raisons. En fait, peut-être que le côté droit peut être un peu moins inspiré, ça peut arriver. Ça a souvent été aussi le contraire. On a beaucoup été sur le côté droit un peu moins bon sur le côté gauche, ça arrive. Donc c'est pas des choses. C'est un concours de circonstances, voilà, qu'autre chose. Je me suis approché. Donc là. Rebonjour. Smaïd Benkaïdia de la télévision algérienne. Moi, je voudrais juste savoir quel changement vous allez opérer, pas dévoiler votre tactique, bien sûr, puisque le Burkina Faso ne joue pas de la même manière que l'Angola. Ce sont deux styles de jeu complètement différents. Est-ce que vous allez changer de manière de jouer ou est-ce que vous allez reconduire la même manière? Et pour Smaïd Ben Nasser, on s'inquiétait tous de votre retour en forme, de votre meilleur niveau. Comment vous vous sentez? Parce que après quelques mois d'arrêt, vous revenez à la compétition. Comment vous vous sentez, vous, personnellement, individuellement? Merci. Individuellement, je me sens bien. C'est vrai que ça fait quelques mois que j'ai pas joué, ça fait peut-être un mois et demi que je suis revenu, mais c'est derrière moi. La blessure est derrière moi et j'essaye de donner le maximum pour aider au mieux l'équipe nationale. Bah, c'est une question sur laquelle je réponds pas généralement, ça. Voilà, merci. Alors, je suis Franck Aristide Jeffa, journaliste burkinabé. Alors, la question, coach. Ça peut aller. Excusez-moi. Vas-y. D'accord, merci. Match capital, match important. Personnellement, vous, en tant que sélectionneur de l'Algérie, quel est le qualificatif que vous donnez à cette opposition de demain face au Burkina Faso? Et pour Ismaël, la question. Pour vous, qu'est-ce qui va faire le déclic demain dans cette opposition? Merci. Je pense que... Je pense que, comme tous les matchs, et encore plus ce match-là, ça va être l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe et gérer les temps forts comme les temps faibles. Sur ce qu'on a, on a eu un petit peu plus de mal le dernier match. Et sur ce qu'on doit travailler. Mais sans pression avec l'équipe. On a confiance en notre équipe. Et on va être déterminés.
Vous voulez un adjectif ? Ça ? Juste un mot ? Non, ben ça va être un match. Ça va être un match difficile. Ça, c'est sûr. Pour les deux équipes. Je pense pas que ce soit capital encore. Parce qu'il y aura encore un troisième match. Mais un match. Nous, on pense pas à ce troisième match. On pense juste à ce match-là. Et on sait que ça va être compliqué. On connaît le Burkina Faso. Salam alaikum, bonjour à toutes les personnes présentes dans la salle. Abdelkader Awati pour 11 mondial. J'ai une question pour le sélectionneur d'abord et ensuite pour Ismaël Benacer. Pour le sélectionneur, alors on est la troisième équipe, l'équipe d'Algérie, la troisième équipe à avoir le plus de possession de balles sur la première journée. Toutes les stats que je vais énumérer, c'est uniquement la première journée. Je n'ai pas pris les matchs d'hier parce que c'était le deuxième match pour ces équipes-là. On est également la troisième équipe qui est le plus présente dans le bloc, dans la partie adverse de l'équipe. Et également, on est la cinquième équipe qui a le plus d'XG, les buts attendus, sur la première journée. Seul bémol, donc on fait partie des équipes qui tirent le plus, avec 16 tirs, mais on n'a que 3 tirs cadrés. Est-ce que, pour le sélectionneur, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, le fait qu'on on a un ratio tirs cadrés voilà, qui n'est pas assez bon sur la première journée je fais aussi le flashback par rapport à la Coupe d'Afrique 2021, où on avait eu beaucoup d'occasions, où l'Algérie avait eu beaucoup avait été beaucoup dangereuse sans forcément marquer. Ou alors, vous vous dites que vous avez les ingrédients et que ça va venir. Et une question pour Smaïl, c'est ta quatrième Coupe d'Afrique des Nations, malgré que celle de 2017, t'es resté sur le banc. Quel est ton rôle aujourd'hui dans le... Quel rôle penses-tu jouer aujourd'hui dans le groupe, que ce soit psychologiquement ou d'un point de vue sportif, notamment auprès des joueurs qui jouent leur première Coupe d'Afrique, comme Oussem Aouar, comme Kevin Guitoun, comme Fares Chaibi, voilà, comme beaucoup de joueurs. On va dire que tu es un petit peu au milieu, on va dire, parmi les joueurs qui sont le plus capés et ceux qui n'ont pas de cap, on va dire, en Coupe d'Afrique. Quel est ton rôle par rapport à ça? Merci beaucoup. Alors mon rôle, ça va être, j'ai engrangé plus d'expérience. J'ai plus d'expérience que certains, j'ai plus de connaissances que certains des attentes du coach, des attentes du peuple aussi. Et je peux les aider à ce niveau-là. Après, sinon, ma mentalité, elle reste la même. Et essayer de les pousser pour donner leur maximum, pour qu'ils puissent donner leur maximum et pour qu'ils puissent aider au mieux l'équipe. Les statistiques sont souvent importantes. Elles veulent souvent dire des choses. Mais le football, dans son ensemble, c'est pas toujours représenté par justement ces statistiques. Mais il y a des indications, ça c'est sûr. Des inquiétudes. De facto, quand on marque un but et qu'on sait que c'est pas suffisant et qu'à la fin, en plus de ça, on se fait égaliser, c'est sûr que je sais pas si c'est le terme inquiéter. En tous les cas, on connaît suffisamment le football pour savoir que 1-0, c'est jamais suffisant tant qu'on n'a pas fait au moins le break, et encore. Après, ce qui aurait été encore plus inquiétant, c'est justement ne pas avoir, pour une équipe qui a des ambitions de jeu et qui, disons-le, toujours inspirée par l'aspect offensif, d'aller marquer des buts, d'être conquérant, d'aller chercher des victoires, créer du jeu. Chacun sa manière de voir le football, chacun sa manière de faire. Tout en gardant un certain équilibre, de toute manière c'est toujours la rude bataille. À partir du moment où tu cherches à jouer, à partir du moment où tu cherches à attaquer, t'es souvent soumis. Tu attaques pas à deux, tu attaques avec plusieurs joueurs, ce qui veut dire que tu peux laisser des fois des espaces, mais c'est le risque à payer quand on veut justement produire du jeu. Et l'éternel problématique, c'est trouver cet équilibre-là.
Donc on le fait assez bien, peut-être pas sur certains matchs, mais c'était peut-être autre chose. Bon, en l'occurrence, le dernier match, on pourrait parler de cette période, a dit Ismaël, de ce temps faible qui a fini sur un pénalty qui n'est même pas un pénalty tel que qui montre qu'on était déséquilibré, sur une action quasiment arrêtée. Et je vous dis, l'inquiétude, c'est pour moi en tout cas en tant qu'entraîneur, c'est justement pas produire du jeu, pas produire d'occasion, pas frapper, pas être dans la surface, pas être dans le camp adverse, pas être dans la surface de réparation. Il est là. Après, c'est sûr qu'il faut, on l'a dit à la première conférence, j'aime pas trop me répéter, être encore plus précis dans le dernier geste. C'est le geste le plus difficile parce que c'est le geste où il y a le plus de pression. On est dans une surface de réparation, on est dans le bloc adverse, c'est là où il y a le plus de pression, plus de joueurs qui défendent. Mais c'est ça, les joueurs de haut niveau savent jouer sous pression, ils savent assurer le dernier geste. Quand on a fait par exemple une grosse course où on est un peu peut-être en manque de lucidité, eh ben, faut assurer le dernier geste et c'est ça qui fait la différence. Donc ouais, plutôt travailler sur ces derniers gestes-là, que ce soit un centre, une dernière passe, une avant-dernière passe, une frappe, voilà, être encore plus concentré, plus lucide, j'ai envie de dire. Avant de revenir là. Bassourou Sorgo, journaliste Burkina Faso. Question pour l'entraîneur. Coach, comment vous trouvez l'équipe du Burkina Faso à l'heure actuelle? Vous l'avez vu jouer lors de son premier match certainement. Comment vous la trouvez et quelle appréciation vous faites de cette équipe? Benacer, vous avez une grande équipe qui se trouve dans les top 3, top 4 même du continent africain. Est-ce que vous et vos camarades, vous ne craignez pas que tout ce qui s'est passé à Yaoundé se reproduise à Boaké? Est-ce que vous n'êtes pas hanté par l'échec qui vous poursuit depuis lors? Merci. Ce qui s'est passé au Cameroun, on l'a mal vécu. Et on n'est pas du tout hanté par ce qui s'est passé. Au contraire, on a appris de nos erreurs. On a appris de nos erreurs et on va le démontrer, Inch'Allah. À partir de demain, et même si ça va être difficile, on gérera mieux ces matchs-là, et à partir de demain, Inch'Allah. On a déjà dit que le match de demain sera difficile, parce que justement il y a un bon adversaire, on connaît Burkina Faso. Après, moi je ne m'autoriserai pas à juger cette équipe, juste dans les détails en tous les cas. Juste dire que c'est une bonne équipe, très bonne équipe même. Ces derniers résultats en Coupe d'Afrique le prouvent à chaque fois. Voilà, j'en dirai pas plus. السلام عليكم. سؤال باللغة العربية. سؤال للمدرب. المدرب واللاعب. إسلام المدب من موقع العربي الجديد القطري. سؤالي لإسماعيل، هل تعتبر أن هذه المباراة والفوز في المباراة هو مصيري لكم؟ هل تعتبر أن الفوز في مباراة بوركينا فاسو مصيري لكم لحسم التأهل إلى الدور القادم؟ La victoire décisive.
بالنسبة لسؤال المدرب جمال بلماضي، رياض محرز تلقى عديد الانتقادات في المباراة الأولى سواء من الجماهير أو حتى المحللين في تونس في الجزائر أو خارجها. كيف تعاملتم مع هذا من الناحية الذهنية للاعب؟ ما هو رسالتكم له؟ Non, demain c'est un match très important pour nous, mais pas un match capital. Après, chaque match pour nous, on va dire qu'ils sont capital parce qu'on essaye de gagner chaque match, de tout mettre en place pour gagner chaque match. Et on va avoir la même détermination, la même envie, le même état d'esprit que chaque match. Et au final, c'est chaque match sont les mêmes pour nous. انتقادات على رياض محرز منذ زمان مش اليوم. في 2019 انتقادات كانوا موجودين حتى اليوم. انا من شغل بالصحفيين ولا محللين مش انا شغل في الميدان مع اللاعبين. ورياض محرز هو ابطال اوروبا، ما عنده ولا مشاكل مع هذوك الانتقادات. معروفين الناس اللي يتكلموا على رياض ولا فريق ولا عليا ولا ما نشغلوش معاهم. احنا نركزوا على الفريق، على المباراة، على الشغل اللي تاع كل يوم في الميدان. بس Bonjour coach, bonjour Ismaël, Eric Mabruit de Radio France Internationale. Coach, pour le premier match, vous aviez dit que vous espériez une victoire pour rassurer votre groupe. Malheureusement pour vous, ça n'a pas été le cas avec ce pénalty cruel en fin de match. Est-ce que depuis vous êtes obligé de faire comment est le moral de l'équipe? Et après ce match, est-ce que vous êtes obligé de faire un travail mental un peu particulier pour empêcher que, si jamais ça devait arriver, les fameux fantômes de 2022 viennent un peu les perturber et un peu les freiner, les inhiber. Question pour Ismaël. Vous allez avoir en face de vous une défense burkinabé particulièrement solide avec Issoufou Dayo et Edmontab Soba. Quel est votre regard sur cette défense? Est-ce que vous pensez que ce sera particulièrement difficile de la percer? Merci beaucoup. C'est vrai que il y a une bonne équipe en face du Burkina Faso. Et voilà, on va essayer de tout mettre en œuvre. On a déjà commencé à travailler sur le terrain et en dehors du terrain pour essayer de voir leurs points faibles et leurs points forts et d'appuyer sur ce qui fait mal et en gardant nos principes et nos valeurs sur le terrain. Parce que vous avez beaucoup cité, ça fait déjà la troisième fois qu'on parle de 2021 et si on est hanté par ça ou pas, c'est même les termes utilisés. Nous, c'est pas ça le football, c'est pas ça le sport de haut niveau. C'est rebondir à chaque fois se relever à chaque fois qu'on tombe, c'est ça le sport. C'est pas tous les jours pleurer sur son passé ou sur un passé qui a été peut-être douloureux ou rester dans une euphorie sur quelque chose qui a été sur un succès par exemple. On se sert de ça, des uns des autres, des différentes expériences pour avancer. Mais comme ça énumérer à chaque fois passé, ça c'est pour vous, c'est vous qui avez envie de le dire. Nous on se sert de ça, il y a une expérience à prendre bien sûr. Mais le parcours qualification pour arriver ici est suite directement à ce que vous appelez voilà, les choses qui sont qui,
assez mauvais moment. Il est quasiment parfait. Seule équipe de ce continent à avoir pris 16 points. Et entre guillemets, si on aurait voulu, parce que pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout, je pense que les journalistes algériens comprendront. Si on aurait voulu, on aurait pu faire même le plein de points dans un truc, ce qui est souvent rare déjà dans le continent africain. Et en tout cas pour cette campagne de qualification, c'est sûr qu'on aurait été les seuls à avoir fait le plein de points. C'est un peu une preuve d'une équipe qui se relève. Maintenant, je vous dis, oui, on sert des différentes expériences, mais pas que les mauvaises expériences. Toutes expériences sont bonnes à prendre. Pour les sportifs de haut niveau, ils comprendront ça. Tu tombes, tu te relèves, tu regardes vers l'avant et t'avances. Bonjour, coach Islam Chtewa, Télévision Nahar. Coach, le match contre le Burkina Faso, Rahikon, à 14h. Est-ce que ça, c'est un avantage pour l'adversaire? Les Indos ont l'habitude de jouer les mêmes conditions climatiques. Pour Ben Nasser, un message pour les supporters qui arrivent ici à Stade du Bouaké. Nous, l'équipe et tout le staff, on est très heureux. On a d'avoir cette chance, d'avoir les supporters tout le temps à nos côtés. Et c'est en partie pour eux aussi qu'on essaye de tout faire pour gagner tous les matchs. Et on sera très content de leur ferveur demain, et très content de leur support aussi. Bon, ils savent depuis longtemps qu'ils allaient faire leurs deux premiers matchs à 14h, donc ils ont fait, je pense, toute leur préparation à cette heure-là. Donc en ça, c'est un avantage. Ils ont peut-être plus l'habitude et plus le travail de jouer dans des conditions comme celle-là, sûrement. Mais ça c'est un élément qui a sûrement son importance, que l'on prend en compte, bien sûr. On a joué notre deuxième match de préparation contre le Burundi. À cette heure-là, plus ou moins, on a pris ça en considération, mais ça sert à rien de se torturer le cerveau. Il y a un match à jouer, si ce soit à 2h, à midi, à 8h du matin, on doit jouer. Ça sert à rien d'en faire des tonnes, quoi. Ikhlas, l'horaire elle est fixée, on se prépare en fonction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. عبد الرحمن سيدابات موقع هلا ريم سبور الموريتاني كوتش après avoir assisté au match Mauritanie et Burkina Faso, quelles sont vos observations dans l'équipe nationale mauritanienne? Voilà, on va jouer contre le Burkina Faso, après on va jouer contre la Mauritanie. Mais elle, c'est pas encore le moment. Je vais quand même, parce que t'as un bel ensemble, un bel équipement, donc je vais quand même te répondre. Habillé tout en bleu aujourd'hui. La Mauritanie a fait sensation sur ce match-là. Ils ont été très ambitieux. Ils ont bien travaillé ensemble. Ils auraient pu. Le score aurait pu basculer en votre faveur. Mais on n'est pas étonné. La Mauritanie travaille bien depuis quelques années. Et s'ils sont dans cette Coupe d'Afrique, c'est mérité. Et on sait qu'on a, depuis le départ, on savait qu'on était tombé dans un groupe difficile. Donc bravo à vous, continuez comme ça. Une question, s'il vous plaît, pas deux. Oui, Mohamed Dahak, des Foot. Question par rapport à la CAN, au début de CAN. On a vu quand même pas beaucoup de surprises, justement, ou plutôt pas beaucoup de scores lourds, beaucoup d'équipes accrochées, notamment des favoris. On a vu le pays hôte, notamment hier contre le Nigeria. On a vu aussi l'Égypte qui a sur ces deux matchs à chaque fois. En plus, il y a cette énergie, ils reviennent à chaque fois en deuxième mi-temps. Qu'est-ce que vous pensez justement de ça et du fait que justement, notamment des équipes doivent vraiment mettre beaucoup, beaucoup d'énergie dans leur match pour rester vivant, on va dire, dans leur match. Je comprends pas exactement la question. Ouais, je sais pas si c'est dû. C'est jamais, je pense, une analyse avec une réflexion unique. Je pense à une addition de circonstances.
Déjà, il faut savoir, et on le répète tout le temps, il faut le savoir, il faut le prendre. Et se dire que maintenant, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Ça, on l'a dit une cinquantaine de fois, mais quand on analyse les matchs, on fait comme si ça, c'était pas vrai. Donc, par exemple, quand tu joues contre l'Angola, je vais parler pour nous quand même, parce que je suis là. On sait que l'Angola, je vous l'avais dit avant le match, c'est les statistiques qui parlent. Ils perdent pas, c'est une équipe qui perd pas depuis très longtemps. Donc ils ont des certaines assurances défensives. Quand on voit chaque match, on parlait de l'époque de la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale, ils ont 6 points, c'est ça ? 4 points, voilà, avec le premier du classement. 4 points. Et qui font trembler la Côte d'Ivoire sur ce dernier match. Donc, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Les équipes sont bien organisées, les équipes travaillent. Et puis, ils ont l'avantage aussi d'avoir peut-être moins de joueurs étrangers, donc plus habitués aux circonstances de notre continent, qui pèsent vraiment dans les rencontres. Il y a le fait qu'ils sont désinhibés, ils jouent contre les équipes, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas de pression déjà, donc ils produisent des grosses performances. Moi, je ne suis absolument pas surpris. Après quasiment 6 ans en tant que sélectionneur de son continent, je sais, ça se passe comme ça. Je sais que tu peux jouer n'importe quelle équipe, elle se dit qu'elle n'a pas peur d'aller chercher, et puis elles ont raison, c'est ça le sport, ça la beauté du sport. Tu peux mettre une flopée de joueurs qui jouent Milan AC, qui jouent ici et là, mais quand il s'agit d'un match, c'est 11 hommes contre 11 hommes, dans nos circonstances, dans notre environnement de l'Afrique, et c'est peut-être pas c'est différent de ce qui peut se passer, notamment en Europe. Donc toutes les équipes saisissent leur chance, et elles ont raison de le faire, et c'est ce qui produit ces résultats là donc il faut se faire à l'idée que c'est pas les noms ronflants qui l'emportent. La preuve en est, avec tous ces résultats là c'est voilà, l'esprit d'équipe, la solidarité, le travail ensemble, le dépassement de soi, mille et une choses. Je vais pas donner de... Chacun a sa manière de voir les choses, mais en tous les cas, voilà, c'est un peu déjà ces éléments-là. Voilà, c'est mon analyse un peu de cette première journée et demie, puisqu'il y a déjà eu deuxième match pour certaines équipes. On aurait voulu que tout le monde ait l'opportunité de poser une question, mais malheureusement le temps est terminé. Donc on remercie beaucoup le coach, M. Djamel Belmadi, Ismaël Benasser, merci à vous et bonne chance pour le prochain match. Merci à tous. إذن كانت هذه الندوة الصحفية للناخب الوطني جمال بلماضي.